Yep tout le monde, c'est l'araignée. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo sur la chaîne sur Spider-Man 2, les amis. Ancien épisode, on a très bien avancé dans l'histoire. On a affronté le petit boss, c'était d'ailleurs très tendu. Et on se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo, voilà, tranquillou. Voilà, dans cet épisode, de toute façon les amis, on va avancer. Voilà, on va avancer dans l'histoire. On va essayer aussi de faire quelques petites missions secondaires. Donc voilà, on va faire tout ça. Du coup, on s'arrêtait ici. Et ben, direction, ben, mission principale du coup. Allez hop, direction mission principale les amis. Quel plaisir en tout cas de faire des vidéos sur ce genre de jeu, c'est vraiment du kiff. Le gameplay est vraiment dynamique. Harry en sait sûrement plus que quiconque sur Fisk. Hop. Spider-Man. Oui, c'est bien moi. L'héros du jour, Spider-Man. Alors, entrez dans l'appartement de Harry. Ok. Mieux vaut que je sois présentable. Allez, enlève ton costume. Allez, let's go les amis. La première fois d'ailleurs qu'on rentre dans l'appartement de Harry. Donc on va voir un peu ce qui va se passer les amis. Wow. Tout le monde sait que Fisk est véreux. Mais tu dis qu'il manigance pour devenir le plus grand baron du crime de New York? C'est ce que j'ai entendu dire. J'aide Whitney Chang à enquêter et elle veut des preuves. Je crois que tu connais assez bien Fisk. Pas vraiment. Et il ne me parle pas de ses affaires. Mais tout ce que je peux faire, c'est accéder au dossier financier de la brigade spéciale. Oh. Ok. J'ai trouvé l'une des adresses que tu m'as données. De gros paiements à un consultant en sécurité. Ha. Fisk s'occupe de tout ce qui concerne le personnel. C'est bien lui qui a engagé ce Kravinov. Mais il s'est arrangé pour que ce soit Oscorp qui le paye. Il essaie de me jeter aux fauves. Bienvenue au club. Tout va bien? Ouais, c'est juste que... j'ai fait confiance à la mauvaise personne. J'aurais sûrement dû le voir venir, mais après avoir perdu mon père et oncle Ben, je crois que je voulais croire... En une nouvelle figure paternelle, je sais ce que tu ressens. Mon père m'a mis à l'écart pour sauver sa propre vie. Et tout ce qu'il m'a laissé, c'est la maladie qui l'a emporté. Parlez-moi de la maladie. Allez, on va déjà faire Y. Harry, je suis navré. Qu'est-ce que c'est? C'est génétique. Et très rare. Dégénératif. Mon père a rallongé sa vie en dépensant une fortune pour trouver un remède. Mais je n'ai pas autant de temps. Il n'y a aucun espoir? Thérapie génique. C'est sur ça que ses recherches se concentraient. C'est pour ça que Norman s'est mis à faire des expériences sur les mutants? Oui. Il pensait pouvoir se donner la résistance de certains animaux à ce genre de maladie. Ses meilleurs résultats viennent du travail sur les araignées qu'il a fait avec ton père. Mais mon père a disparu. Et son travail avec lui. Ta brigade, leur armure a des applications médicales. Ça ne peut pas t'aider? Elle ne soigne pas, mais elle permet aux handicapés moteurs de se déplacer tout seuls. La brigade m'a aidé à l'adapter et à protéger mes recherches de ceux qui voudraient les voler. Mais je n'aurais jamais dû m'associer à Fisk. Et il est au courant? Il a deviné. Et maintenant il attend que la maladie m'emporte pour récupérer Oscorp. Écoute, Pete. Crois-en mon expérience. Quand les gens en qui on a confiance nous tournent le dos, c'est la preuve qu'on doit régler nos problèmes nous-mêmes. Mais parfois... on a besoin d'aide. Harry, tu sais que je suis prêt à t'aider. Dis-moi juste que... Spider-Man,
Personne ne sait vraiment d'où viennent ses pouvoirs. Mais il semble être le seul sujet de mutation génétique à ne pas avoir subi d'effets secondaires négatifs. Tu prends des photos de lui. Tu dois savoir comment le contacter. Well... Peter, j'ai besoin du sang de Spider-Man. Oh ouais. Ok, donc il a besoin de notre sang du coup. D'accord. Parce qu'il sait pas qu'on est Spider-Man. Et oui. Qu'est-ce que c'est ça là-bas? C'est un enregistrement ça, les amis. Allez, on quitte l'appartement. De Harry, du coup. Alors. Du coup. Affaire de police, ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Repère russe. Récupère la technologie volée d'Oscorp auprès des Russes. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Affaire de police, incendie. Ça, du coup, c'est le métro pour entrer à la maison, si on veut changer de costume. Wow. Ah oui, au final, là, on a beaucoup d'objectifs. Infraction. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire, les amis? Bombe. Sauvetage. Ça, c'est la boutique. Allez, on va faire une petite enquête photo, les amis. D'ailleurs, qui est pas très loin. Je me demande de quoi se plaignait Jonah Jameson avant que j'arrive. De la circulation? J'ai des trucs plus importants à gérer. Spider-Man? Belle photo. Ce type a une case en moins. Ok, bon, ça c'est fait, les amis. Allez, une petite enquête photo encore. Allez, hop, c'est parti. Ça, façon, voilà, c'est des petites missions secondaires. Donc autant en profiter. J'aimerais l'aider, mais sans les tests adéquats, ça pourrait faire empirer les choses. Spider-Man. Oui, c'est bien moi. Ouais, on va passer par là. Si Spider-Man veut s'envoyer en l'air, qu'il le fasse. Je pense pas vraiment à Spider-Man. Désolé. Ouais. Désolé. Alors, où est-ce que... Ouais, c'est par là. Si mon sang pouvait soigner Harry, je lui donnerais sans hésiter. Mais il faudra du temps pour vérifier que c'est possible. Les types de ce genre finissent toujours par faire une erreur. Ok, ça c'est fait, les amis. Sauvetage, bombe. Trouvez les bombes et jetez-les dans un endroit sûr. Ok. Allez, petite enquête photo. J'aime beaucoup, c'est rapide. Et c'est vraiment sympa. Oula. Personne. Attention, les voitures, les taxis, je passe. Alors, on va prendre un petit peu de la hauteur, comme ça au moins on gêne pas la circulation, les amis.
Oula. Ok. Alors on va essayer de... Ouais, on va passer par là. J'aimerais savoir comment la brigade spéciale... Si je donne mon sang à Harry sans faire de test avant, ça risque de le tuer. Ou de le transformer en monstre, comme le Dr. Connors. Il risquerait de devenir dangereux, même pire. De se mettre à tuer. Ah ouais, ok. De notre sens. Ok, on y va. C'est parti. Waouh, c'est le bordel! On n'a pas le choix, les amis. Faut s'enfuir. Allez, on va se soigner tranquillement. Ah, on pourra pas, on pourra pas. Son père a vécu pendant plusieurs années avec sa maladie. Harry a le temps, si ce n'est pas ce qu'il croit. Aïe. Mon sang, je dois être sûr. Ouais, c'était compliqué, parce que là, au fait, je voulais prendre la photo, on m'a tiré dessus, j'ai pas trop compris, c'est la première fois que ça arrive. Qu'est-ce que c'est ça, du coup? J'ai l'impression que c'est la police, ou je ne sais pas, les amis, on va voir tout ça façon ensemble. Je le rappelle, hein, c'est un jeu que je connais pas du tout, du coup... Alors du coup, c'était le symbole rouge. Alors, on va y aller, et on va voir un peu. On va voir, les amis, qu'est-ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Plan vu, ouvre le feu. Ah ouais. Wow. Ça pourrait faire empirer les choses. Waouh, c'était compliqué, hein. En fait, oui, c'est des agents de police. Ok. Bah ça, il va falloir les faire aussi, hein. Parce que là, du coup, les amis. Alors, hop, on monte, on prend de la hauteur, voilà. Alors, du coup, c'est des vaisseaux. Ouais. Ok, bon, on va aller là-bas. On va aller là-bas, les amis. Si mon sang pouvait soigner Harry, je lui donnerais sans hésiter. Mais il faudra du temps pour vérifier que c'est possible. Et il ne veut pas attendre. Ah. Waouh, et c'est compliqué, hein.
On n'a pas trop droit à l'erreur. Hein. Allez, on se soigne. Si je donne mon sang à Harry sans faire de test avant, ça... Par contre, ça fait 4 fois que tu dis ça. Je pense que moi et mes abonnés, bah mes abonnés et moi, je pense qu'on a compris. Ouais, parce que là, au fait, ouais, il y a beaucoup d'objectifs. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'objectifs. Bah écoutez, on va aller à la porte. De le tuer ou de le transformer en monstre, comme le docteur Connors. Il risquerait de devenir dangereux, ou même pire, de se mettre à tuer. Alors, on va esquiver tout ça. On va essayer. On va essayer. Pour l'instant, ça va. On fera les missions secondaires plus tard, les amis. J'ai attendu assez longtemps. Il faut que je rejoigne Harry et que je lui parle. Merci, je vous paierai autant que je... Monsieur Osborne, attendez! J'ai consulté des chercheurs, des spécialistes de la thérapie génique. Je ne peux pas vous donner mon sang, c'est trop dangereux. Trop dangereux? Je vais mourir sans ça. Vous avez le temps, vous pouvez encore faire des recherches. Tous les autres sujets d'expérience se sont transformés en monstres. Je sais pas ce qui me rend différent, j'essaie de le découvrir. J'ai engagé les meilleurs chercheurs pour répondre à cette question. Malheureusement, ils n'ont rien trouvé. Je suis prêt à prendre le risque. Je ne pense pas qu'à vous. Le lézard, tous les autres mutants, ils ont fait du mal. Partez. Ils ont tué. Laissez-moi. Je refuse de prendre un tel risque. Savais. Je vous le promets, je trouverai... Je suis tout seul. Monsieur Osborne... Non, j'ai dit, partez. Harry est vraiment au bout du rouleau. Oh, je suis nul, j'aurais dû m'en rendre compte avant. Mais j'étais trop occupé à jouer au petit jeu de Kraven. Je me suis fait avoir comme un bleu. Mais pourquoi est-ce qu'il m'aurait appris ces techniques de chasse pour me trahir ensuite? C'est une des questions que je vais devoir lui poser. Allez hop, une autre mission principale les amis. Kraven, il est temps qu'on ait une petite discussion, qu'on parle de nos objectifs, de nos projets d'avenir, et que vous m'expliquiez ce que vous faites avec ce mastodonte. Ça m'a l'air vide, mais j'ai peut-être encore une chance de trouver des réponses. Moi, je sais pas pourquoi, les amis, mais... Il est parti avec ses affaires. Kraven doit savoir que je le cherche. Mais il n'a pas eu le temps de tout emporter. Mais Kraven, moi, je lui fais pas du tout confiance, les amis. Alors, la petite vision, comme ça, au moins, on sait s'il y a des choses. Apparemment, non, il y a rien de spécial. Kraven, moi, je lui fais pas confiance, quoi. Franchement, je lui fais pas confiance du tout. Spider-Man l'a fait confiance. Mais moi, pour le coup, les amis... Je devrais inspecter cette pièce de plus près. Regardez, les amis. Le trophée.
Il y a bien marqué Spider-Man, là. Je dois fouiller cette pièce de fond en comble. Spider-Man. Pourquoi il a ça chez lui? Je vous l'ai dit. Kraven est plutôt... Comment dirais-je? Louche. Bon, on va voir. Tout ça pour moi? Il allait me tuer et m'empailler comme un trophée. Pendant tout ce temps, il m'a étudié. Il m'a mis à l'épreuve pour trouver mes points forts. Et le moyen de les neutraliser. Et comment te prendre au piège? Vous êtes un traître et un lâche. C'est vraiment ça que vous appelez chasser? Oh non, ce n'est que le commencement. Je vous l'avais dit, les amis. C'est trop beau pour être vrai. Spider-Man et Kraven ne pouvaient pas être amis, c'est... Ça ne collait pas. Impossible. Parfait. L'antidote que je t'ai donné devrait supprimer l'effet du tranquillisant. Je veux que tu sois au meilleur de ta forme. Arrêtez de vous prendre pour le roi Arthur! Toute cette histoire d'honneur! Vous m'avez menti! Et trahi! Pour le caïd et son argent! Ce n'était qu'accessoire. Je ne t'ai pas trahi. Je t'ai dit tout ce que je savais. Pas seulement pour que tu élimines les rivaux du caïd, mais aussi pour que tu deviennes mon meilleur adversaire. L'ennemi que j'attendais. Ma plus belle proie. Maintenant, tu es prêt. On verra bien qui de nous deux est le chasseur et qui est la proie. Vous vous êtes servi de moi pour éliminer les rivaux du caïd. Cassady, alors? Vous vous êtes interposé pour m'empêcher de me parler. Cassady était utile au début. Il a semé la peur et la méfiance. Mais ce n'est rien de plus qu'un animal. Je savais que... Il faudrait nous en débarrasser tôt ou tard. Il paraît que les méchants se considèrent pas comme méchants. Mais bon, tu dois bien réaliser. Tu chasses des ombres. Et dans les arbres. Déclenche un piège. Je peux sentir ta peur. Bien que je vois Cassady tuer ce type. Pourquoi? Pour que je le tue? Que je me sente coupable? Ou parce que vous êtes un grand malade? C'était un test pour mesurer ta puissance. Et savoir si tu supportais le coup du sang. Je dois avouer que tu m'as déçu. J'attends toujours l'explication pour ta moustache. C'est impossible. Tu n'es pas capable d'une telle rage. Tu n'as pas l'instinct du tueur. La leçon du jour. Tu en sais pour tes propres sens te trahissent. J'ai une longueur d'avance. Ça m'arrive d'être en colère. D'avoir envie de faire du mal à mes ennemis. Mais moi, au moins, je sais que c'est mal. Attrape-moi si tu peux. Facile de le repérer dans ces arbres, mais je dois essayer. M'attendais à mieux. Personne ne meurt. Je t'en supplie, tue-moi.
Je choisis la mort plutôt que la défaite. Parce que la mort n'est pas une défaite? Vous comptez revenir en zombie pour prendre votre revanche? De toute façon, j'ai gagné. Alors c'est moi qui décide. Et quelles sont tes conditions? Vous êtes encore plus timbré que je pensais, Kraven. Mais vous avez un code d'honneur aussi tordu soit-il. Donc vous allez me dire comment atteindre le Caïd. J'écoute. Et dites la vérité. Très bien. Tu as gagné ce droit. Demande, et je te répondrai. Alors... Comment passe à travers le système de sécurité du Caïd? Quel est le rôle du Caïd à Ravencroft? Allez, on va faire X. Je vous connais. Vous observez toujours vos alentours. Rien ne vous échappe. Oui, c'est vrai. J'ai rencontré Fisk dans sa tour. J'ai noté l'emplacement des caméras, des armes et des points d'entrée accessibles. Il a un système de sécurité Telek 4566. Et je connais les mots de passe. Bien, voilà un bon point. Faites-moi une carte. Et surtout, n'oubliez rien. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que le Caïd se procurait des cobayes à Ravencroft. Comment ? L'Institut n'est plus subventionné par le gouvernement. Il compte maintenant sur des donateurs privés. Fisk est le plus important depuis la mort de Norman Osborn. Et il le laisse mener des expériences sur les malades comme une sorte de Frankenstein XL ? Il l'encourage même. Il pense qu'il n'y a plus d'espoir pour ces malades. Qu'ils ne peuvent servir que de cobayes. Tu pourras accéder au bâtiment grâce aux informations que je t'ai données. Mais tu devras affronter Fisk, seul. Je ferai diversion avec des gâteaux. Tu es bien parti pour perdre. Ne le sous-estime pas. Il s'est battu pour survivre depuis qu'il est enfant. Si tu montres la moindre faiblesse, il la verra et te tuera. Un instinct de tueur, hein? Ça vous a pas si bien servi? Je sais pas si la police a de quoi vous arrêter, mais sinon, je vous conseille de retourner en Russie. Fisk n'est certainement pas aussi sympa que moi. Énorme. Ah, nouvelle amélioration, les amis. Attention, toile... Oh, qu'est-ce que c'est? Les composés chimiques utilisés par Kraven. Ah, permettant à Spider-Man de modifier sa toile. Elle peut maintenant fracturer les ions de certains métaux et ainsi les détériorer. Les détériorer. Ouais, c'est un peu compliqué à dire ce mot-là. Mais d'accord, ok, je vois. Ça a l'air pas mal, les amis. Ah, mais le problème, on a que 550 en matériaux. Du coup, on va économiser. Et mine de rien, il y a beaucoup de compétences dans le jeu. Hein. C'est vraiment complet. C'est plutôt sympa. D'ailleurs, ce boss, Kraven, j'ai vraiment adoré. Voilà, franchement, j'ai adoré. Je sais pas pourquoi. Mais je le sentais que ça sentait le vinaigre. Quoi. Il était trop gentil avec Spider-Man. Il était trop... Ça sentait... Ça se voyait qu'il était faux, quoi. C'est une plaisanterie. Avec tout ce qu'on a sur les bras, il décide d'envoyer la brigade ailleurs. Alors attendez, les amis, parce que là, on a eu des matériaux, parce qu'on a fini la mission. Du coup, on va acheter ça tout de suite. Dissolution niveau 2. Grâce à ses recherches sur les technologies de Kraven, Spider-Man a amélioré sa toile ionique afin qu'elle fragilise... Le métal renforcé et les blindages presque instantanément. Ah ouais. Pas mal, ça coûte combien? Ah oui, d'accord. 4000. Ouais, c'est pas mal. Bon, ok. On va économiser, les amis. Il paraît que c'est à cause du matériel d'Oscorp. Un genre d'armure qui a été volée. Et alors? On a besoin d'aide, nous. S'en fiche si des larbins comme nous se font tuer. Je crois que je vais suivre ces camions pour voir ce qui est si important. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à devenir un homme de main? Mauvaise estime de soi ? Spider-Man ?
Allez, direction mission principale. Let's go les amis. Bah du coup le boss, j'ai vraiment kiffé quoi. Franchement il était plutôt plaisant. De conduire des camions. Tony peut pas venir. On doit aller voir le patron. Y a que les chefs comme nous qui savent où il va quand il est pas là. Alors tais-toi et fais ton boulot. Je savais bien que j'apprendrais quelque chose en les espionnant. J'ai plus qu'à suivre leur camion pour qu'ils me mènent directement au gros plein de soupe. Se cacher dans le camion. Allez hop, let's go. Le caïd du crime. Ok. Dis-leur qu'on a la marchandise. Je surveille le camion. Bien fait, chef. Ah, j'aime beaucoup les missions comme ça. Y a qu'une chose qui ouvrira cette porte. Ma toile ionique. Hein? Et Spider-Man en visuel. Pourquoi j'ai combattu un type, c'était un vrai loser. Un crétin en armure sera toujours un crétin. On se disperse, sécurisez la zone. Bien reçu. Établissez un périmètre, surveillez les points d'entrée. C'est noté. Si j'envoie un qui flémarde, il m'aidera à remplir mon quota d'arrestation. C'est compris, monsieur. Restez en contact radio. Contrôle toutes les 5 minutes. Je vais le dire aux autres. Le patron veut que tout le monde fasse des heures sup. Je préviens les gars. La brigade spéciale avec des voyous? Non. Qui aurait pu imaginer une chose pareille? À part tout le monde. C'est mon jour de chance. Il va falloir la jouer discret, les amis. Alors, si je vais en face, il va me voir. Je sais pas combien ils sont en dessous. C'est juste ça le problème. Si je neutralise ceux qui donnent des ordres, ils seront complètement désorganisés. Place toujours aussi lentement? Non mais, à quoi tu joues? La toile ionique est ma meilleure arme. C'est pas juste qu'ils aient une armure. Je vais devoir équilibrer le jeu avec ma toile ionique. Envoie-moi la facture du teinturier. Ces crapules n'ont plus le niveau. On a plus de vie, hein.
Détendu. Voilà, jouer discret là, les amis. Ça fait mal? Oh, remarque, ça m'est égal. J'ai mes doutes sur le Caïd. J'aime pas bosser pour quelqu'un qui donne même pas son nom. Il a du fric. Et si tu poses trop de questions, tu pourrais le regretter. C'est tout bien à savoir. Oh non! Si t'étais le goût, tu serais impressionné. Vraiment. Bon, malheureusement, on s'est fait griller, mais ça va. Ça se passe plutôt pas mal. Pour le moment. Aïe! Ils sont trop mignons. La leçon du jour, éclater des sales types, c'est éclatant. C'est cool ces armures, mais ça les rend pas plus rapides. Trop tard pour te rendre. Papa. Bon, tu m'as convaincu. On se bat. Voilà. Je dirais que cette brigade spéciale n'est pas si spéciale que ça. Je parie que tu es prêt contre toi. Mais crois-moi, nous avons le temps. Oui, ça. Il paraît que les méchants ne se considèrent pas comme méchants. Mais bon, tu dois bien réaliser. Voilà, faut vraiment la jouer discret, mais là le problème ils étaient beaucoup, hein. Franchement. J'ai laissé. Cible en vue. Les gars, je l'ai vu. Je suis là. J'ai trouvé l'araignée. Bah, il est là. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être Morphman. Ces armures n'ont que la valeur des gars qui les portent. Et ces gars, ils sont nuls. Waouh, 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 plus de vie les amis. Waouh, c'est tendu hein, c'est pour ça que je parle pas trop. Rayer ça de ma liste. Concentrer un maximum. Waouh, j'étais au top. Alors, monsieur le méchant inconscient, j'étais plutôt bon, pas vrai? Spider-Man, il est par ici. Ta faute, il n'est pas. Ok, t'es moqué. Spider Slam! En train de trouver des phrases accrocheuses. Alors? Voilà ce qu'il faut.
La brigade? J'aime pas bosser avec les flics, même les ripoux. C'est nous qui... Eh, observe bien! Je le ferai qu'une fois! Parfois, je m'impressionne! Bon, ça va pour le moment, c'est cool. Ça se passe pas trop mal. On va se soigner quand même. Il vaut mieux jouer safe. C'est tendu, hein. Je sais pas combien ils sont payés, mais je peux vous dire que c'est trop. T'es qu'un gamin maigrichon, hein? Et les juges accordent la note maximale à Spider-Man. Bon, c'est juste dans ma tête, mais quand même. Bon, ça va, c'est plutôt cool. Ça se passe pas trop mal. Là, jouer discret. C'est compliqué parce que voilà, ils sont quand même nombreux en fait. Hein, donc, ok, lui. Lui, ça devrait passer. Voilà. Bonne nuit. Je préfère largement les robots. Au moins, eux, ils me cassent pas les oreilles. Tu veux que je te laisse sortir, lève la main. Non? Bon, parfois on est tout simplement au top. Fini okay, de jouer, nickel. Gras double. C'est vous et moi. Quoi, y a pas de musique d'ascenseur? Oh, t'es plus radin que Jameson. Waouh, ça sent la sueur de gros mangeurs de tortillas. Sans offenser les tortillas. Me voici donc face au Caïd. Joli surnom, mais je dois dire que tu ressembles plus à une vache qu'à un Caïd. Une vache enceinte, peut-être? Je ne sais vraiment pas de quoi tu parles. Non, mais vous m'épatez. Vous prenez le contrôle de la pègre de New York sous le nez de tout le monde. La ville entière sait que vous êtes véreux, mais ils vous lèchent tous le derrière. Ce qui doit prendre quoi? Une semaine? Ça fait une sacrée surface, je veux dire. Le seul criminel dans cette pièce, c'est l'homme masqué qui est entré par effraction dans mon bâtiment. Un violent justicier que le Daily Bugle qualifie de danger public. Très bien, comme vous voudrez. Mais d'une façon ou d'une autre, je vous aurai. Des menaces, maintenant. Je parie que Jonah Jameson m'acclamera un héros quand je t'aurai tué. Oh, pour me défendre, bien sûr. Vous avez lâché Cletus Kasady dans la ville pour éliminer tous vos ennemis et semer la peur. Je remplirai les choses et donner l'impression de tout arranger ensuite. Et qui réparera les pots cassés? Soit peut-être qui tournerait dans un costume ridicule et s'en sortira des fantasmes d'un adolescent. Je vis dans le monde réel, moi, Spider-Man. Comme un trampoline. Vous êtes si gros que vous faites la même taille debout ou allongé. C'est la bombe de Spider-Man. Enfin, c'est plutôt une surprise. Sécurité temporaire, ils veulent de l'ordre.
C'est faux. Ils veulent la justice. Ils veulent savoir que s'ils travaillent dur et s'ils suivent les règles, des règles qui s'appliquent à tout le monde, ils vivront bien. Je vis dans un monde garçon. Voilà. J'aime être payé pour cogner des ordures comme toi. T'as mérité ce qui t'arrive. Ça va te secouer. Désolé, c'était pas terrible. Vous êtes si gros que votre photo de classe au lycée a été prise d'un hélico. Non? Allez, elle était bonne. Spider-Man ne fait pas de favoritisme. La secousse sismique non plus. Vous êtes si gros que quand vous campez, les ours cachent. Pourquoi je vous paie? Venez ici. Ce que les gens veulent, c'est que des hommes comme moi prennent des décisions difficiles. Que quelqu'un fasse tourner le monde pour qu'ils leur vie médiocre et dormir sur leurs oreilles, en sachant que quelqu'un d'autre mène la barre. Ça y est, je comprends. Votre vengeance pour avoir été persécuté à l'école. Si vous n'étiez en boîte d'informatique, pas de souci. Et si vous êtes mal aussi, vous persécuté à votre tour, là, je dois vous arrêter. Tu ne sais rien sans moi. Tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Ce que j'ai été obligé de faire pour survivre. Racontez-moi, je vous écoute. Vous avez engagé Kraven, mais tu sais à quel... Si vous en êtes si fier, expliquez-moi. Vous êtes si fort que si quelqu'un vous rentrait dans le bar, il resterait coincé. Je ne suis pas stupide, Spider-Man. Je n'ai avoué aucun crime, enfreint aucune loi. Il n'y a aucune preuve contre moi. J'ai la preuve que vous avez payé Kraven. Non, c'était ma brigade. En tant que consultant en sécurité, je suis consterné d'apprendre qu'il s'est mal conduit. Si c'est bien vrai. On l'a engagé pour ses talents légendaires et un code de conduite à toute épreuve qui ne lui permettrait pas de trahir un client. Si Kraven ne parle pas, Cassady le fera. un dingue comme ce type? Oh, je vous en prie, personne ne peut croire ce qu'il raconte. De toute façon, il faudrait vraiment être stupide pour traiter directement avec un homme comme lui. Et crois-moi, je ne suis pas stupide. Je crains, Spider-Man, que tu sois le seul criminel ici. Ouais, c'est ce qu'on va voir. Nous ne sommes pas dans un film d'action. Ce n'est pas parce que tu es jeune que tu peux pirater ma sécurité et accéder à mes données personnelles. Comment est-ce que tu fais ça? Vous m'auriez pas un peu sous-estimé? Arrête! Je t'ordonne de... À toutes les unités, Drax Dillon s'est échappé de sa garde à vue et il est en fuite dans le secteur 4. Qu'est-ce que vous avez fait? Je ne comprends rien à ce que tu dis. Merci de m'avoir montré où se trouvent mes points faibles. Ne t'inquiète pas, ils auront disparu à ton retour.
Et ben dis donc, sacré épisode les amis, hein. On a affronté deux boss. Ouais là c'est... Franchement j'ai adoré cet épisode. Ah les deux boss là j'étais concentré, j'ai pas trop parlé. Voilà, ça demandait pas mal de concentration. Qu'est-ce que c'est que ça? De ces générateurs pour créer un bouclier. Je dois les détruire. Je dois me dépêcher d'aller à Times Square. Toutes les personnes présentes. Écoutez les amis, on saura tout ça dans le prochain épisode. Avant de vous quitter les amis, par contre, on va prendre ça. Là ça vaut 6000, ok. Et on va prendre, allez on va prendre ça. Voilà, comme ça, on aura acheté pas mal de compétences. Bah, mine de rien, niveau des compétences aussi, ça avance. Ça avance plutôt pas mal. Bah, écoutez, les amis, en tout cas, c'était vraiment un très bon épisode. J'ai kiffé. Bon, c'est vrai que sur les boss, j'ai pas trop parlé, parce que voilà, ça demandait pas mal de concentration. Et surtout, avant d'affronter ce boss-là, voilà, il était pas mal entouré. Il y avait beaucoup d'ennemis. J'ai voulu jouer discret, mais à la fois, c'était compliqué, parce qu'il y avait tellement de gardes et tout. Du coup, c'était assez compliqué, mais en tout cas, j'ai adoré cet épisode. Franchement, j'ai kiffé. Et ça s'annonce très bon pour la suite, en tout cas. En tout cas, voilà, si l'épisode il vous a plu, n'hésitez surtout pas, les amis, à vous abonner, à liker, à partager, à mettre un petit commentaire. Voilà, ça fait toujours plaisir. Le petit like, c'est la récompense. Partagez la chaîne, voilà, ça c'est le petit plus, ça fait toujours plaisir. Et surtout, activez la cloche, au moins tu sauras quand je sors une vidéo. Voilà, tout simplement. En tout cas, si l'épisode il vous a plu, 1, 2, 3, on va y arriver. Si l'épisode il vous a plu, n'hésitez surtout pas à faire le taf de votre côté et on se retrouve très bientôt les amis pour la suite sur Spider-Man 2. Un gros bisou de ma part et un gros bisou de l'araignée. C'était Kalizorex TV. Allez, bye bye, bye bye, bye.